Je passe la parole à Monseigneur Gaillot. Bonsoir. Ce soir, près du ministère de la Justice, nous sommes des citoyens en résistance. En résistance avec le peuple palestinien contre l'occupant israélien. Nous ne pouvons pas accepter l'injustice qui est faite au peuple palestinien. Nous ne pouvons pas accepter que ce peuple soit occupé, dépecé, humilié, asphyxié. Nous ne pouvons pas accepter que ce peuple ait tout perdu. Sa terre, ses maisons, ses oliviers, son travail. Et que tant de jeunes palestiniens puissent crier « On nous a volé notre vie ». Mais il y a une chose que le peuple palestinien n'a jamais perdue. Et une chose que l'État d'Israël n'a jamais pu prendre, c'est sa dignité. Le peuple palestinien est un peuple à la dignité rebelle. C'est pourquoi nous continuons la campagne de boycott, des investissements, sanctions, avec détermination. Et nous n'avons pas peur des menaces verbales que la ministre de la Justice a faites. Nous n'avons pas peur d'être mis en examen. Parce que des citoyens qui sont libres n'ont pas peur. Mais peut-être que par notre présence ce soir et notre détermination, c'est nous qui faisons peur à la ministre de la Justice.